Tov, alors Erev Tov. Ve'adam yada et Chava Ishto, et l'homme connut sa femme, on a dit que c'était la da'at, c'était les relations sexuelles. Ve'yada et Chava, il a donc connu l'essence de l'existence, et l'essence de son existence, c'est sa femme, c'est ce que j'avais expliqué. Vatar vateled et Kain, on est au chapitre 4, Dalet. Vatar vateled et Kain, c'est-à-dire chapitre 4, Dalet. Donc, véritablement, ce qu'on avait étudié la semaine dernière, je ne reviens pas dessus, elle est à travers ce verset, « Ve'adam yada et chava ishto ». Yada, la relation, et l'essence, chava, l'existence, ishto, sa femme. C'est bien, il a fait. Alors, on y va. « Vatar vateled et kain ».« Vatar vateled », c'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a donné naissance. C'est la première femme, et à travers l'ensemble des femmes, me paraît-il, dans le Tanakh, on viendra nous dire « Vatahar Vateled ». Alors qu'on aurait bien dit que « Vateled », on aurait compris qu'elle était enceinte avant. Pourquoi revenir sur « Vatahar Vateled » ? Tout simplement pour nous dire qu'elle est la seule des deux à mener un projet d'un bout à l'autre. Elle n'est pas seulement cette complémentarité qu'on a vue dans les deux semaines précédentes, concernant l'homme, mais elle est aussi dans le projet divin, cette personne a même de réaliser le projet des toladot, des générations, d'un bout à l'autre. C'est vrai. Et ceci leur donne, va leur donner un rôle tout à fait particulier dans l'historiosophie et l'historiographie biblique, bien entendu, avec Stam, pour citer, parlons de Esther, puisque c'est bientôt Pourim, mais enfin, ça, on avait fait un autre cours pour expliquer qui était elle, mais Dvorah, Sarah, l'attitude de Rivka, même si certaines ont des attitudes qui seront répréhensibles dans la conduite des manœuvres, il est bien évident qu'elles prennent les choses en main. C'est pour ça que moi, personnellement, dans mon enseignement, je dis que la femme, c'est le fil d'Ariane du Tanakh, et non pas l'homme. Mais ça, c'est moi, le prof, qui dit ce qu'il pense. Et donc, c'est ma thèse. Alors, donc, elle a Vatar Vateled, et Kain Vatomer Kaniti. Mazé Kaniti, Kibalti. J'ai reçu. Ish et Hashem. J'ai reçu un homme. Ish et Hashem, que dans le projet divin, je suis celle qui, par la décision du projet divin, fait que je mène ce projet-là. C'est-à-dire et Hashem. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce que certains pourraient pouvoir entendre, que j'ai eu une relation avec l'Éternel. Chez certains, ça a été dit. Et d'avoir une génération spontanée. Tandis que là, elle est celle qui, dans l'essence du projet divin, doit jouer le rôle de mener ce projet d'un bout à l'autre. C'est important. Et donc, elle appelle son enfant Caïn. Et maintenant, Va Tosef la Ledet, il est probable que lorsqu'elle a accouché, il n'y a pas marqué « Vateled », il y a marqué « Vatosef la Ledet ». Ça veut dire qu'il est pratiquement admis qu'après qu'elle ait accouché de Caïn, elle a eu d'autres contractions qui lui ont fait sentir qu'il y avait un autre enfant. « Vatosef la Ledet ». Elle eut un supplément que nous n'attendions pas, qui va être une surprise. D'ailleurs, elle donnera une explication du nom donné pour Caïn. Elle n'en donnera pas pour le deuxième accouchement. Va Tosef la Ledet et Arivet Evel. C'est tout. Il n'y a aucune explication concernant le nom de cet enfant. Mais voyons la phrase, comment est-elle construite au Pasuk Bet. Va Tosef la Ledet, j'ai dit, supplément inattendu. Maintenant, si elle a eu un premier enfant qui s'appelle Caïn, alors,
on n'a pas besoin de me dire que l'accouchement se poursuivit et qu'elle elle donna naissance au frère qui s'appelle Abel. Il y avait besoin de me dire qu'elle avait accouché de Abel, et j'aurais très bien compris tout seul que Abel, c'était le frère de Caïn. Donc, s'il est écrit « Vatosef la ledette »« Et arrive »« Et evel » les deux « et » ici, qui sont l'événement qui vient me rappeler l'essence des choses. Il y a donc que lorsqu'elle a poursuivi son accouchement, l'essence, l'enfant qui est né, représente l'essence de la fraternité. Et arrive l'essence du frère, l'essence de la fraternité. C'est-à-dire que dans cette poursuite de l'accouchement, ce qui est important, ce n'est pas l'enfant nommé qui est important, mais ce que l'enfant nommé va représenter. C'est-à-dire que le premier enfant qui naît est dans notre esprit à Ben, le fils. Et le deuxième enfant, je ne l'appelle pas à Ben, je l'appelle à Ar. Et vous comprenez que dès l'origine des temps, quel est le premier homme dans l'histoire biblique ? C'est pas Adam, c'est Caïn. C'est le premier homme né d'une gestation fœtale, après accouplement. C'est le premier homme, comme nous, que nous connaissons. Mais Adam et Chava, rien à voir avec nous. Ils sont d'une autre dimension. Donc, à partir de Caïn et d'Abel, je vais être d'autant plus intéressé à savoir, à connaître, à découvrir, à vouloir entendre et comprendre, puisqu'on va parler pour la première fois, malgré tout ce que nous avons dit les deux semaines précédentes, eh bien, nous rentrons dans le vif du sujet, parce que nous rentrons ici dans une pièce où nous allons nous rencontrer nous-mêmes. Et c'est Caïn, et c'est Abel. Donc, va Tosef la ledette, comprenez bien ce qui est écrit, parce que ce sont des petites phrases, mais qui sont pleines de sens. Va Tosef la ledette, et Abel, on aurait pu dire, et j'aurais compris que c'est son frère. Non, il y a marqué, elle poursuivit l'accouchement, donnant naissance à l'essence de la fraternité, et l'essence de la fraternité sera représentée, témoignée, par qui ? Par l'essence de cet homme qui s'appelle Abel. C'est donc que dès l'origine du temps, on vient et on nous dit, voilà, vous êtes en présence de deux enfants, mais les deux ne sont pas l'enfant, enfin si, ils sont l'enfant, mais il y en a un qui porte le nom du fils, et l'autre qui porte le nom du frère. Entendons bien, nous commençons à découvrir les premiers pas de l'homme dans l'histoire de l'humanité. Cette histoire commence par une présence qui n'est pas unique, mais qui est double. Si cette présence est double, ça veut dire qu'elle me met dès l'origine du temps en face à face avec quoi ? Avec une dualité. La dualité de qui et de qui ? La dualité du fils et la dualité du frère. Je vais vous poser quelques questions et chacun va essayer d'y répondre. Lorsque je dis que Caïn est l'aîné, pouvez-vous me dire quelle est la qualité caractérielle du premier-né ? Le premier-né, étant le premier-né, a une qualité d'être qui est, deux points. L'aîné, le premier. L'aîné, non, elle est première, oui, mais elle a dit, il est égoïste. Peut-être est-ce vrai. Quoi d'autre ? Responsable. Responsable, oui, aussi, Naron. En général, c'est pas le deuxième qui naît qui est l'aîné ? Non, c'est le premier. Ah, si c'est... non, mais en général, le premier-né, c'est... Chez les jumeaux, c'est aussi l'hérédité, c'est aussi par le passé... Voilà, Caïn, c'est l'aîné. C'est ce qui nous a été transmis. Caïn est considéré comme l'aîné, et Abel l'aîné, en tout cas dans la Torah de Manitou, c'est ce qu'on a appris. Et maintenant, si Caïn est l'aîné... Il a le droit d'aînesse.
Pensez, quand la question est posée, pensez à quelque chose. Quel est le niveau de connaissance de Caïn lorsqu'il naît? Il ne connaît qu'une relation à la verticale. Lui, vis-à-vis de sa mère. Le premier-né, vis-à-vis de son père et de sa mère. Mais le premier-né, à l'horizon de son vécu, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il n'y a que lui. Égoïste, ses proches. Mais cela, je dirais la chose autrement. Il peut devenir égoïste, bien entendu, mais la raison pour laquelle il va devenir égoïste, c'est parce que, à l'horizon de son existence, il n'a aucune conscience de l'existence d'autrui. Il est donc ce que tu as dit, oui, égoïste, égocentrique, absolument. Maintenant, regardez la deuxième question, en comprenant que Abel est le second, qu'il est le frère, c'est à son propos qu'il est dit le frère. Quel est le caractère de ce jeune enfant? On a dit le premier, vous m'avez compris, c'est clair. Mais le deuxième, celui qui naît et qui est le frère, reprenez le même schéma. Vous en déduisez quoi? La soumission? Non. Vous ne reprenez pas le même schéma que j'ai utilisé. Lorsqu'il naît, nous avons dit qu'un n'a conscience connaissante que de la verticalité, papa, maman et moi. Il comprend que tout son horizon est vide d'existence et qu'il en est lui le centre. Bien fait. Mais lorsque Abel vient, il a conscience de la verticalité. Ah, mais il a conscience de quelque chose que l'autre n'avait pas. C'est que dans le cercle d'horizon, il y a un autre point que lui qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Si nous avons dit que le premier est à même de développer dans sa psychologie existentielle un égocentrisme, il ne connaît rien d'autre que lui. Le second, comment pourrais-je l'appeler? Comment pourrais-je le définir? Généreux. Oui, c'est-à-dire qu'il est, c'est bien, généreux, mais c'est-à-dire qu'il est... Oui, c'est bien aussi. Bon, alors on va dire le terme. Il est moussarioteur. Il est plus moral que le premier. Il a une conscience morale que l'autre n'a pas. Parce qu'en fin de compte, la morale, moussar en hébreu, c'est à partir du moment où je peux l'imsor. Or, le premier a conscience qu'il n'a rien à donner, à offrir ou à octroyer. Il est le seul. Le second. Et donc, vous, tout ça pour vous expliquer quoi? Pour vous expliquer que qui sont-ils d'abord? Et à travers ce qu'ils sont, essayer de comprendre quelle est la problématique de la dualité. Je vous dis cela parce qu'il y a quelque chose que nous devons accepter et entériner en nous. L'équation de la fraternité que nous allons étudier maintenant est encore et toujours, à la minute où je vous parle, l'équation irrésolue de l'humanité. Cette équation n'est toujours pas résolue. L'équation de la fraternité. C'est-à-dire que le Ben puisse pouvoir entendre et comprendre qu'il y a un autre que lui à la surface de la terre. Le second, conscient de l'existence de l'autre sur la terre, que devra-t-il faire pour que cette existence reconnue puisse être porteuse d'un devenir? Et vous allez voir. Vaï evel roetzon vekaïn aya oved adama. Nachon, papa et maman sont ce qu'ils sont. C'est ça. J'ai mon cousin Germain. Papa était ébéniste, arrivé d'Algérie. Maman, Bekoshi, elle savait lire. C'est un des plus grands professeurs au monde aujourd'hui en mécanique des fluides cardiaques, professeur Alain Tedgui.
Ah oui, mais c'est bizarre, comment ça se fait, on nous a dit que si on lui avait appris à lire les livres, Madame de Sévigné, les cours de piano, s'il avait grandi dans un milieu, etc. Ben non. Deux sur les trois enfants sont d'un point de vue intellectuel. Aujourd'hui, ils sont assimilés complètement et donc nuls et non avenus concernant Israël. Mais d'un point de vue intellectuel, on est étonné. Alors là, nous sommes confrontés aux deux personnages, deux premiers personnages de l'histoire. Le premier, quel est son métier ? Roé Tson. Le second, quel est son métier ? Agriculteur. Seulement, prêtez-y attention. Vekaïn aya oved adama. Regardez l'écriture de Bereshit. La voyelle olam n'existe pas. Il y a juste un point pour rappeler olam. Mais ça veut dire que lorsque vous lisez quoi ? Vekaïn aya eved adama. C'est-à-dire qu'il est devenu l'objet de la terre. Alors qu'il en aurait, il aurait dû en être le sujet. Et à travers Caïn va commencer l'une des plus grandes questions de la philosophie dialectique, à savoir la relation de l'objet au sujet, et du sujet à l'objet. Et c'est une des plus grandes discussions. Jusqu'à aujourd'hui, même votre serviteur, il continue d'écrire là-dessus. Je veux dire, object-subject, c'est là, c'est sur Heidegger écrit, ce salopard de Heidegger, inscrit au parti nazi, avale une éminence grise de la philosophie existentialiste et surtout phénoménologique, et le rapport du sujet à l'objet. Il est là. Et qui est Abel ? Roé Tson. Alors lui, il a un lien avec la terre, mais un lien indirect. Pourquoi ? Parce que le lien qu'il va développer, il est à travers le monde animal. Et pour que ce monde animal puisse véritablement être au service de ce que la terre porte et supporte et représente et témoigne, il va falloir qu'il soit, lui, le berger. Or, en hébreu, roé, le berger, c'est la racine de ve'afta le're'echa. Tu aimeras ton prochain. Ça veut dire que Roé, c'est le prochain. Le prochain de qui ? Le prochain du troupeau. C'est-à-dire que cet homme qui est âme divine va devoir être en mesure de se confronter à la nefesh abahamit, à l'âme animale, pour pouvoir faire en sorte qu'un jour, faites attention d'ailleurs même ici quand vous vous promenez, que le berger ne marche jamais devant ni sur le côté. Il est bien souvent derrière. Et il y a une telle osmose entre le berger et son troupeau qu'il n'a pas besoin de le guider, puisque le troupeau, dans sa conscience profonde et collective, a conscience qu'il est là. Vous comprenez ? Et c'est donc que ce personnage-là, vous l'entendez aussi, parce qu'il est celui que nous avons décrit comme étant le sujet moral. Il est le frère. Le frère a en lui la conscience qu'il existe autre chose que lui. Non seulement il découvre Caïn comme étant l'autre chose que lui, mais il découvre le loup, la lion, la bleuette, etc., etc. Et les moutons. Et il devient Roé Tson. On est donc confronté à deux caractères différentiels. Le premier avec un égocentrisme qui travaille la terre parce que la terre produit et donc que la terre lui rend service, n'est-ce pas ? Mais à force de vouloir faire en sorte que l'on est dans l'aspiration d'acquérir, on devient l'esclave des moyens de production. Ça nous parle, n'est-ce pas ? À force de vouloir jouir du produit, nous voilà devenir, à force, esclaves des moyens de production. Et donc, au lieu d'avoir une relation conjugale, où dès l'origine, Dieu a voulu nous le faire sentir
Adam et Adama. C'est la même racine étymologique. Et Adam, c'est masculin. Adama, c'est féminin. Ça te dit quoi? Un peu comme chez Jean de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Cette relation, je dirais, où le verbe de l'homme et de la terre sont capables de se conjuguer. Et lorsqu'il y a une bonne conjugaison des verbes de l'homme et de la terre, comme chez l'homme et la femme, il y a ensuite une conjugalité. Et lorsqu'il y a conjugalité, qu'est-ce que nous attendons? Le fruit de la passion. Le fruit de la terre. Et là, l'attitude va porter à conséquence. Vaïm iketsayamim. Iketsayamim, ça veut dire après des années, hein, ça peut être. Vayave kain mi pri a adama. Mincha l'Hashem. Il amène une offrande à l'Éternel qui est le fruit de son labeur, de la terre. Mais vous comprenez que le bât blesse, là. Pour quelle raison? Étant donné que nous avons appris juste auparavant que le sieur Caïn était l'objet de sa terre et non pas le sujet, le maître. Il n'était que le Nif'al, l'Oa Poel. Et donc, ce qui l'amène à l'Éternel est intimement lié, d'une certaine manière, à sa façon de se conduire, d'être, de servir ce qui lui a été donné, offert. Et il y a, chez la plupart de nos commentateurs, « Vaï miket sayamim, vayave kain, mi pri adama » Avant cette terre, s'il avait amené le fruit de son labeur sur cette terre dont il est le maître, il choisit en quelque sorte. Mais étant donné qu'il est le serviteur de sa terre, il amène à l'Éternel une offrande qui d'une certaine manière nous fait entendre qui va servir son intérêt. C'est-à-dire qui va lui permettre de lui qui veut jouir du produit et qui s'est aliéné aux moyens de production, il va certainement pas venir t'offrir le meilleur de sa production, puisqu'il en est aliéné à cette production. Si vous avez des questions, vous posez, bien entendu. Ve'evel evi gam ou, et lui aussi, Evel a amené, quoi gam ou, lui aussi, offrande à l'Éternel, c'est ça, pas des fruits. Mi bechorot sono ou mi chelbehen. Il a amené la plus belle de ses bêtes et il a amené du fruit de ses bêtes. La peau, la laine, le lait. Mais il n'y a pas ce besoin de nous dire mi bechorot du meilleur. Ici, bechor, c'est pas l'aîné. C'est du meilleur. C'est que pour lui, il avait établi une relation que nous avons dit du prochain à l'autre. Il n'était pas l'objet de son troupeau. Il n'était pas non plus le sujet de son troupeau. Il n'était pas ni le maître, ni l'esclave. Il y avait un rapport conjugué, comme j'ai dit tout à l'heure, entre les deux, qui fait que l'un était en confiance vis-à-vis de l'autre, et vice-versa. Et lorsqu'il veut offrir une offrande, lui, il trouve tout naturel d'offrir le meilleur de ce qu'il a. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à lui. C'est aussi à lui, mais ce n'est pas à lui. C'est quelque chose qui est le fruit d'une conjugaison. C'est important. Et à travers tout ce que nous disons, nous entendons véritablement des caractères qui commencent à imprimer, à graver l'humanité. Vaïcha Adonai el Evel ve'el Minchato. Mais Vaïcha, Yesha s'est délivré en vérité, Yoshua, Yesha, c'est la délivrance. En fin de compte, Dieu a accepté quoi? Ce que Evel a offert. Ve'el Kain,
Et à propos de Caïn, que s'est-il passé? Ve'el Caïn ve'el Minchato, vis-à-vis de Caïn et de son offrande, l'Osha'a. Donc vous comprenez que Vayisha, là-bas, c'est, il n'a pas accepté. En fin de compte, quand j'accepte, je te dis, on sait comment nous sommes tous quand nous offrons un cadeau. Nous sommes toujours, avides de savoir comment il sera reçu. Donc quand il est bien reçu, c'est une délivrance aussi, d'une certaine manière. Et vis-à-vis de Caïn, non. Vaïchar le Caïn mehod, vaïplou panav. Et pour quelle raison Caïn a ressenti cela comme un affront? Pour quelle raison? Vous avez une idée? Pour quelle raison? Voilà, nous venons de le dire. La jalousie. La jalousie. La kina. Aval. On va voir ce que l'Éternel va lui dire. Celui qui va y ploupanav. Sa tête est tombée. Quoi. C'est-à-dire... Il a été blessé au plus profond de lui-même à ce que son offrande ne soit pas reçue. Alors bien entendu, je dirais presque entre guillemets, vous et moi, on se fout complètement de qui a été reçu et de qui n'a pas été reçu, si ce n'est que quoi ? Que nous apprenons à travers qui est Caïn et Abel? Que font Caïn et Abel? Ceux qui vont amener cette offrande, et de quelle offrande est-il question? C'est tout ce que nous avons dit dans les minutes qui ont précédé ce que je viens de dire à l'instant. C'est donc que cet enfant égocentrique, etc., l'autre enfant beaucoup plus moral, ayant conscience de l'autre, et vis-à-vis du métier qui est le sien, berger, et l'autre qui est l'agriculteur, mais agriculteur qui aurait pu rendre sa terre au service de son labeur, eh bien, a transformé le rapport de force ici, et la terre est devenue le maître de la personne, et non pas le contraire. Et il y a certainement, dans le fait que, ici, l'homme est tombé dans les affres de la production, d'un pouvoir qui, en fin de compte, l'a rendu esclave. On peut se mettre en quête d'un pouvoir où ce pouvoir va me transformer. Nous en sommes témoins aujourd'hui, au XXIe siècle, concernant les technologies et les hautes technologies. Nous voyons dans n'importe quel restaurant ce que nous appelions le romantisme au XIXe et XXe siècle. Et aujourd'hui, un homme et une femme dans un restaurant ne passent pas la commande. Ils sont tous les deux en train de faire des signes de croix sur un écran pour essayer de voir ce qu'ils sont sans raison, sans même une volonté de découvrir chez l'autre, sur l'écran de l'autre, le visage de l'autre. Tout ce qu'ont écrit Martin Buber dans « Je et tu », tout ce qu'a écrit Lévinas dans son éthique, il est bien évident que le monde tel que nous le connaissons en ce moment est un monde qui contrarie d'une certaine manière la reconnaissance de l'autre, la connaissance de l'autre, c'est-à-dire le regard que nous avons vis-à-vis de l'autre. Moi j'aimais toujours quand Lévinas expliquait dans Totalité et Infini aussi de voir le visage de l'autre et la nudité du visage de l'autre. Le voir dans sa nudité, c'est-à-dire le voir dans sa vérité. Mais pour ça, il faut prendre le temps de poser le regard, de regarder, de contempler, etc., d'apprécier. Donc aujourd'hui, nous voyons que nous pouvons nous donner des pouvoirs qui nous rendent esclaves de ces pouvoirs-là. Alors que contrairement à Abel, qui nous paraît comme étant capable de maîtriser un certain savoir qui propose un devenir, mais dont il reste apparemment le maître, le garant et le témoin, et il ne tombe pas dans les affres de ce que pourrait exiger
la richesse du trône. Comme nous verrons chez Lavanne, par exemple, son comportement vis-à-vis de Yosef. Comme nous verrons Abimélec vis-à-vis d'Abraham et d'Yitzhak. Surtout d'Yitzhak, on le renvoie, on craint l'antisémitisme, parce que Yitzhak est devenu riche, etc. Donc on voit que là, le troupeau sert de référent à un mauvais traitement. Et alors là, l'Éternel va parler à Caïn. Et il lui dit, « Vayomer Hashem el Caïn, lama chara lecha velama naflu panecha. » Mais il n'y a pas que nous qui nous posons la question. « Dis-moi, Caïn, pourquoi te sens-tu si mal et pourquoi es-tu si triste ?» Naflu panecha, c'est être abattu. Lama chara lecha, c'est pourquoi es-tu charon apo. Charon af, c'est la colère. Et pourquoi es-tu en colère? Pourquoi es-tu si triste? Parce que d'une certaine manière, l'Éternel vient et lui dit, mais je n'ai pas voulu te blesser. On est venu m'offrir quelque chose. J'ai choisi Abel. Rien ne nous dit que le choix d'aujourd'hui est un choix définitif. Il est très possible que le choix de demain ne soit pas le choix d'hier. Ça veut dire que lorsque tu réagis de cette manière, ce que tu as dit, Martine, la jalousie qui l'entreprend, dans la jalousie, j'ai écrit quelque chose que je vous ai envoyé en français, d'ailleurs en hébreu aussi, il a été diffusé aujourd'hui sur le curieux, la curiosité. Et je parle de ces hommes qui sont obnubilés par l'instant. Par l'instant, c'est-à-dire par le présent. Mais le présent, pas tel que moi je voudrais l'entendre, le présent où il faut vivre son présent, mais où ils veulent que tout ce qui doit arriver arrive dans le présent de maintenant. Et il y a dans cette demande, et c'est en fin de compte, à mon humble avis, ce que dit l'Éternel à Caïn, comment peux-tu être sûr que demain ce ne sera pas toi? Pour quelle raison être triste et en colère pour la chose qui concerne maintenant, mais qui en aucun cas ne vient témoigner de toujours? Elle ne convient qu'à maintenant. Or, si tu es en colère et attristé, c'est parce que tu es jaloux, mais que cette jalousie te fait exiger une réponse qui soit actuelle, maintenant. Or, tu sais très bien, en admettant que je n'ai pas répondu à ton offrande pour la raison qui fait dire à Ronnie que tu es l'esclave de la terre, l'objet de la terre, au lieu d'en être le sujet. Chose répréhensible, parce que j'aurais voulu qu'avec la terre, tu sois capable d'établir la même conjugaison que ton frère a établi avec le monde animal. Avec le monde végétal, j'aurais voulu que ce soit la même conjugaison. Or, ce n'a pas été le cas. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas. Et en fin de compte, il y a dans ceux qui aspirent au maintenant, la paix maintenant, je dis toujours, le Messie maintenant, ce que disent nos enfants, Bamba maintenant, Bisley maintenant, Glidar, Chauve. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience des paliers nécessaires pour parvenir à. Parce que tout devrait être dans le maintenant. Et il y a quelque chose de cela dans la réponse de Caïn quand il est attristé, quand il est en colère, et que ce qui anime cette tristesse et cette colère, c'est la jalousie. La jalousie de quoi? Qu'il aurait voulu maintenant avoir la réponse que l'Éternel lui propose, peut-être pour demain. « Vayomer Hashem el Caïn lama chara lecha velama naflu panecha » Elohim tétiv, iné, noir sur blanc. Elohim tétiv, c'est être. Mais c'est im tétiv, c'est être.
si tu fais pour le mieux et que tu t'améliores, tout est dit. Si tu fais pour le mieux, je veux dire qu'il y a une leçon extraordinaire. Est-ce que nous pouvons penser n'être, à travers ce maintenantisme dont j'ai parlé maintenant, que ceux qui réussissent à tous les coups? Moi, je dis que c'est très bien que nous ne réussissions pas à tous les coups. Et ce fut après ces événements-là que l'Éternel mit à l'épreuve Abraham. Ben Abraham, il aurait pu dire, si tu dois me donner quelque chose, donne-le, ralas, quoi. Je veux dire, on va pas... Non. Va'elokim, Nissa est Abraham, le Dieu créateur des lois immuables de la création, donne une épreuve, et donc c'est Elohim qui donne l'épreuve, ça veut dire que l'épreuve rentrera dans la législation des lois immuables. Jamais, au grand jamais, vous n'obtiendrez quoi que ce soit, si ce n'est que vous avez réussi l'épreuve. Et depuis petit, nous passons des épreuves. Nous réussissons, nous échouons, nous recommençons, l'homme jamais. Mais cette épreuve en hébreu, Nissayon, la racine c'est Ness. Ness c'est un étendard. C'est-à-dire que l'épreuve n'est pas là pour t'abattre, t'attrister, te mettre en colère, mais que l'épreuve, si tu l'acceptes, te permettra d'en ressortir étendu, grandi, absolument. À l'armée aussi. Quand on a fait nos classes en Israël, on nous demande de faire des trucs complètement débiles. Moi, j'arrivais de France, je ne connaissais rien à part John Wayne dans les westerns, et je me vois en train de faire des trucs que jamais j'aurais imaginé que c'était possible. Et le Mefaked, il nous dit, voilà une épreuve. Je ne sais pas si vous connaissez le parcours du combattant. À un moment donné, il faut grimper à la corde, après redescendre, passer le mur, etc. Il y a des gens qui ne passeront pas le mur. Et il y a des gens qui passeront le mur. Tout le monde sera après le mur, bien sûr, à 10h05. Tout le monde sera après le mur. Mais dans ce « après le mur », il y aura ceux qui l'ont escaladé et ceux qui ne l'ont pas escaladé. Eh bien, sachez que dans votre histoire personnelle, sera continuellement ressenti ceux qui ont traversé et ceux qui n'ont pas escaladé et ceux qui n'ont pas escaladé. C'est-à-dire, l'épreuve peut nous faire peur, mais refuser l'épreuve va jouer dans le devenir qui sera le nôtre. Mais on peut refuser l'épreuve et continuer en passant sur le côté. Vous comprenez? Donc il lui dit... Alohim tétive, c'est si tu t'améliores. Ça veut dire quoi si tu t'améliores? Tétive. Si tu fais pour le mieux, si tu acceptes l'épreuve de la vie. L'épreuve de la vie, c'est nachon. On n'a pas tout maintenant. Et puis l'épreuve de la vie, c'est que, essentiellement, je vous ai créé pour que vous soyez les sujets de votre histoire, pas les objets. Tu as été l'objet, tu as échoué. Mais l'histoire va t'interpeller pour essayer de reprendre les rênes. Je regarde les informations hier soir à Motsé Shabbat. Je vois Paris brûle-t-il. Non, c'est pas Paris brûle-t-il, c'est Paris, il brûle. Paris, il brûle. Et je me dis, mais face à une telle épreuve, je ne comprends pas que l'exécutif ne réagisse pas. On peut ne pas réagir depuis, par exemple, des semaines face à une déstabilisation. On ne rentre pas ici, d'accord, pas d'accord, on s'en fout. Il y a une déstabilisation. L'exécutif doit réagir d'une manière ou d'une autre afin de ramener ce que nous appelons en médecine l'homéostasie, l'équilibre. À partir du moment où on se refuse à l'épreuve, les conséquences, il n'y a pas besoin de finir l'ENA au Sciences Po pour reconnaître les conséquences. On est capable nous-mêmes. Et il lui dit, Alohim tétiv se'et. Et l'Éternel continue. Veimlo tétiv. Et si tu refuses l'épreuve, les péta chata rovets, alors tu seras à la merci
des erreurs. Mazéchatat, on veut toujours traduire par la faute, c'est l'erreur. Mazéchatat, en hébreu, le verbe c'est léharti. Mazéléharti, c'est échouer, manquer sa cible. J'ai un arc, une flèche, une cible, je tire, la flèche, paf, elle est passée à côté. Irteti est à matara. C'est-à-dire que le chet, c'est celui qui avait l'intention de parvenir au but, mais qui a échoué. Et là, il lui dit, si tu refuses l'épreuve est là pour te grandir. Mais si tu as refusé l'épreuve, tu restes là où tu étais. Et là où tu étais dans des conditions qui te permettaient d'être à même d'échouer et moins à même de réussir. C'est ce qu'il lui dit, les pétards à ta robetz. L'échec existe, il lui dit, le mal existe, traduction, le mal existe. Est-ce que le mal a l'obligation de devoir se révéler? Non. Mais comment se fait-il que le mal soit à même de pouvoir s'exprimer, se faire valoir? Il faut bien que quelqu'un lui ouvre la porte. Le refus de se mesurer aux épreuves qui exigent de l'homme le mieux et le meilleur d'eux-mêmes permet à la porte de s'entrouvrir et de laisser passer ce que nous allons devoir prier de ne pas être. Vous comprenez? Tu suis, Cécilia? Non? Ben dis-moi. J'ai besoin que tu me dises si tu suis. Donc Dieu lui dit, il y a une épreuve. Si cette épreuve est acceptée, imtetiv c'est être. Si tu acceptes de pouvoir t'améliorer, tiens, te mesurer, alors tout ira pour le mieux. Mais si tu n'acceptes pas, sache que le fait de ne pas accepter ce que j'ai dit, tu es passé à côté du mur, hein, on t'a dit d'accord, bon tu veux pas escalader, n'escalade pas. Mais cette ouverture-là que tu t'es offerte, à un moment donné ou à un autre, elle va porter la conséquence. Parce que quand nous étions au Liban et que les mitrailleuses syriennes ont commencé à tirer, c'est pas un mur qu'il a fallu escalader. C'est une maison. Et certains de nos camarades y sont restés. C'est dur. À partir du moment où ce chat d'aiguille a été ouvert, permis, nous ne sommes vraiment plus maîtres de ce qui adviendra. Et il lui dit, mais pétach atat rovetz, ve'elecha tshukato. Nous gravissons un autre échelon où le mal, l'erreur, l'échec étant libéré de ses carcans, c'est l'échec qui lui va se mettre en quête de toi. À partir du moment où tu as laissé s'évaporer et sortir de ça, j'ai oublié comment on appelait ça chez Aladdin, j'ai oublié la... La lampe. La lampe, voilà, c'est pas pourquoi je... La lampe, à partir du moment où le mauvais génie est sorti de là, pour métaphorer la chose, tu n'es plus maître. C'est lui qui va te chercher. Mais il y a là quelque chose d'absolument important, parce que vous comprenez que tout ce que je dis maintenant... Et nous touche au plus près, c'est-à-dire que cela touche à notre existence. Je me sers de Caïn et d'Abel. Je me sers de leur histoire pour avancer. Velecha tshukato, ve'ata timshol bo. Ça veut dire quoi? Si, c'est-à-dire que l'épreuve refusée en amont, permettant à l'échec, au mal, aux forces obscures d'être libérées, celles-ci se mettront en quête de toi pour te faire échouer,
Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On n'a pas escaladé le mur, il a fallu escalader la maison. Ben, c'est à peu près la même image. C'est-à-dire que ton refus de te mesurer à ce que je t'ai demandé va te mettre dans un face-à-face avec un phénomène exponentiel. Mais dont tu ne seras plus le maître parce que c'est lui qui est venu te quérir. Et à ce moment-là, pour résoudre l'équation de cette problématique, il te faudra non plus décider ou agir, mais qu'est-ce qui est écrit ? Limsholbo, en devenir celui qui en est le maître, le gouverneur. Et en devenir le maître de cette chose libérée sera d'autant plus difficile que ce fameux moment où il t'était donné de te remettre en question, de ne pas faire la gueule, de ne pas t'attrister, mais de prendre en compte qu'il s'était certainement passé quelque chose ici, une épreuve échouée. Mais comment avait dit De Gaulle ? Nous n'avons perdu qu'une bataille dans sa déclaration du 18 juin. Et alors, quand cette bataille est perdue, tout le monde pleure, tout le monde est en colère, et c'est fini, panim, nefoulot, les visages sont tombés. Non. Quelle a été sa force ? De dire à tous les visages tombés que nous avions échoué dans cette épreuve-là, mais que nous n'avions jamais encore échoué l'épreuve avec l'article défini, elle, apostrophe. Grande épreuve. C'est-à-dire, c'était permettre à tous les visages, comme il y en a foulotte, d'être panim merumamot. Kracha. Vayomer Kain el Evel Achiv. Il n'y a pas, personne nous a dit, est-ce qu'ils ont dit quelque chose? Ils n'ont rien dit. Vayi Beyotam Basade, alors qu'ils se trouvaient dans les champs. Vayakom Kain, Kain s'est levé, el Evel, vers son frère. Evel Achiv. Regardez ce qui est écrit. Il s'est levé vers Evel, son frère, et c'est le frère qui l'a tué, Vayargeu. Plus que Shnia Moshe, plus que Evel, c'est le frère qui l'a tué. Oui, Moshe. C'est dans ce que vous avez expliqué, Caïn, il aurait pu se reprendre, il aurait pu... Absolument. Ouais. C'est la seule chose, c'est qu'il aurait fallu qu'il attende. Qu'il attende quoi ? La prochaine étape. Okay. Sans aller voir Abel et sans essayer de lui parler, c'est ça ? Oui, parce que en fin de compte, Vayomer, Caïn, elle est belle. Alors j'ai vu bien que Vayomer, c'est un langage de tendresse que la mère utilise. Qu'est-ce qu'il a voulu de Caïn ? Je ne sais pas. Mais maintenant, je vais vous poser des questions, puisque il va falloir que nous clôturions dans quelques minutes. Caïn est donc celui que nous avons décrit comme étant l'égocentrique. Je vous pose cette question. À partir du moment où nous avons défini Caïn tel quel, par quel moyen physiologique Caïn pourrait-il établir un dialogue avec Abel ? Que devrait faire Caïn pour établir un dialogue avec Abel ? Puisqu'il n'a pas conscience de l'existence de l'autre. Mais qu'il va falloir... Qu'est-ce qu'il va devoir utiliser ? Il aurait pu jouer le rôle de père. Il va falloir qu'il fasse quelque chose, Caïn, pour éveiller cette conjugaison des frères. Qu'il essaie de le connaître. Qu'il essaie de le connaître. C'est-à-dire, il a fait, c'est-à-dire, quel est le sens parmi les sens de l'homme que Caïn va devoir utiliser pour pouvoir établir un dialogue avec son frère. L'aimer ? Tu l'aimais ? Non, j'ai dit un des cinq sens. Je vous ai parole, aidé. La parole ? Non. Ah, le toucher, non. Il n'a pas conscience de l'existence d'autrui. Comment prendre conscience que l'autre est ? En l'écoutant. Mais si Caïn, l'égocentrique, a besoin d'être à l'écoute de celui qui l'ignore, celui qui n'ignore pas que Caïn existe, pour établir le dialogue, aura besoin, lui, de quoi ? La parole, il y a fait. La parole. Or,
Celui qui parle, c'est Caïn. Celui qui ne parle pas, c'est Abel. Celui qui peut-être a entendu la parole de Caïn, c'est Abel. Mais celui qui n'a pas entendu, c'est Caïn. Et le meurtre, le premier fratricide de l'histoire a lieu. Et là, un de mes premiers maîtres avec qui j'ai fait mes premiers pas, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, Zatzal, m'a dit, en hébreu, la violence, c'est alimut. Mais en hébreu, ceux qui sont muets, c'est ilmut. Et c'est la même racine. Quand il n'y a pas de dialogue, on frappe. C'est magnifique. Ilmut, les muets, ceux qui ne parlent pas. Et dans la génération où nous sommes, où l'on se pose la question sociétale, d'où vient cette recrudescence de nécessaire violence, tout le monde écrit, tout le monde s'envoie des messages. Mais au restaurant tout à l'heure, vous vous rappelez, personne ne parle. Il moute, alimoute. Là où il n'y a pas de communication, la violence émerge. Vayakom Kain el Evel Achi Vayargeu. Vayomer Hashem el Kain. Hé, Evel Achicha. Hé, Evel Achicha. C'est le même genre de question que nous avons vu il y a deux semaines qui disait à Adam, Ayeka, qui es-tu? Hé, Evel Achicha. Il lui dit, où est ton frère? Où est ton frère? Et Caïn de répondre, de ne pas répondre, comme Adam n'avait pas répondu. Quand on a demandé à Adam, à Yeka, où il était, en train de se planquer dans un arbre. Il ne répond pas, on a vu ensemble. Et là, Vayomer, lo yadati. Moi, je n'ai pas de relation avec mon frère, je ne connais pas, je ne sais pas. Peut-être, mais je vous dis ça en réfléchissant avec vous, que lorsqu'il dit « lo yadati », c'est peut-être qu'il a conscience qu'il a tué son frère, mais qu'il ne sait pas ce que cette mort verrou va-t-elle. Et Roliot, c'est une supposition. « Lo yadati », c'est peut-être ce qu'il se dit. Mais alors là, il prononce la phrase que tout le monde connaît. Elle est aussi célèbre que Hayeka. Ashomer achi anochi, je suis le gardien de mon frère. C'est ça, c'est quoi cette réponse-là? L'Éternel te demande où est ton frère. Prends tes responsabilités. Je l'ai tué. C'est le début de l'histoire. Dis la vérité. Mais de toute manière, comme nous avions expliqué à propos de Hayeka, quand Shmoel interroge Shaoul, à propos de Amalek, qu'on a vu la semaine dernière, Shmuel connaît la réponse. La question, elle est rhétorique pour le bienfait de Shaoul, pour ramener Shaoul à dire la vérité. Quand l'Éternel demande à Adam à Yeka, Dieu, il ne sait pas qu'il est avec le chêne. C'est parce que Dieu veut que Adam prononce cette vérité-là. Le seul qui a répondu, c'est quand Nathan vient voir David et lui dit « Ce que tu as fait avec Uria, le mari de Bathsheba. » En lui donnant cette fameuse métaphore du fermier, etc. C'est inacceptable. Mais avec la métaphore, David avait compris. Nathan n'y a pas dit « C'est pas bien ce que tu as fait avec Uria et Bathsheba. » Non, il y a parlé du fermier qui avait qu'une brebis et l'autre fermier qui avait plein de brebis. Et le fermier riche fermier a pris la brebis du petit fermier qui n'avait qu'une brebis, etc. Et David a compris tout de suite de quoi il était question. Mais les autres, non, voilà, encore, ici, Caïn, la même chose. Ils lui disent « Lo yadati, ashomer achi anochi, vayomer, me asita ». Mais quoi, tu crois que je ne sais pas? Il y a quelque chose que tu devras savoir. Celui qui tue
pardon, celui qui assassine. La voix du meurtre, du meurtri, de l'assassiné, continue de se plaindre. Comment est-ce qu'on appelle ça dans notre langage à nous ? Le remords ne te quittera jamais. Et Victor Hugo d'en faire quoi ? Un œil qui le suivra partout. Ce que lui dira l'éternel Veata, Arurata, maudit à toi, tu es Mina Adama. C'est intéressant. Parce que tout ce qui a amené Caïn à être et devenir ce qui s'est passé, c'est parce qu'il était l'objet de, comment dire, l'objet de la terre et non pas le sujet. Et maintenant, il est maudit même de ses moyens de production. Même ça, il ne pourra pas en jouir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a enfoui le corps de ton frère et que le sang de ton frère hurle, crie depuis l'intérieur de la terre. Tu pourras travailler la terre, tu ne récolteras rien. Tu iras, nomade. Tu deviendras nomade. Vayomer Caïn el Hachem Gadol Avoni Minaso. C'est possible que Caïn ait compris son erreur, mais il dit à l'Éternel, je ne peux pas supporter une telle punition. Je n'ai pas la force de supporter une telle punition. Il a pas cette force de responsabilité qui lui est demandée. « Hen gerashta oti ayom me'al pnei adama, o mi panecha esater, ve'aitina ve'nad ba'aretz, ve'aya kol motzei yargeni. » Si tu me rends nomade, si tu me divorces de ma terre, Adam, de sa terre, Adama, si tu me laisses aller de ci, de là, moi je n'ai plus de force. Je n'ai pas la force de me rendre suffisamment responsable pour me reprendre et à travers ce nomadisme-là, essayer peut-être de reconstruire quelque chose. Je ne peux pas vivre avec cette responsabilité et ce danger qui pourrait me suivre partout, que n'importe qui pourrait venir et lever la main sur moi, comme je l'ai levé sur mon propre frère. Et Dieu lui promet que les hommes auront reçu la menace d'être punis sept fois plus que Caïn, si jamais il levait la main sur Caïn, car il fallait, comme dans le poème de Victor Hugo, qu'il puisse traverser les plaines et les vallées, les montagnes et les collines, et être poursuivi continuellement par le remords. Et il faudrait qu'il devienne responsable de ce remords, si jamais il veut espérer pouvoir générer, engendrer quelque chose, puisqu'il va se marier, donner naissance à les générations à venir, parmi d'autres enfants qu'auront Adam et Chava, mais cette histoire restera à jamais l'équation irrésolue de la fraternité. Rivka fera tout, Sarah fera tout pour sauver Yitzhak de Ishmael, mais Agar fera tout pour préserver Ishmael de Sarah. Yitzhak ira chercher Ishmael, alors qu'une fois que sa mère est morte, pour le ramener dans le giron de son père. Yitzhak épousera Rivka, et Rivka fera tout pour sauver Yaakov de Esav, mais Esav fera tout pour se rapprocher de son frère, et l'histoire continuera ainsi entre Yosef et ses frères, et jusqu'à aujourd'hui, l'équation n'est toujours pas résolue. Voilà.